Aujourd'hui, je vous propose un format beaucoup plus court. On ne va pas faire une analyse longue et complète comme j'ai l'habitude de le faire sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer avec vous une idée reçue que j'ai entendue plusieurs fois de la bouche d'investisseurs débutants. Une idée reçue qu'il faut absolument bannir si vous l'avez, puisqu'elle est absolument catastrophique et elle peut véritablement causer votre perte en tant qu'investisseur débutant si vous l'avez. D'ailleurs, si vous découvrez cette chaîne, bienvenue sur Value Investing, chaîne YouTube sur laquelle on parle d'investissement en bourse sur le long terme. Et si vous êtes débutant, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez notamment un lien de téléchargement vers un guide pratique d'investissement en bourse à destination des débutants, ainsi qu'un lien pour s'inscrire à la newsletter Value Investing et recevoir tous les 15 jours environ un concept clé, une analyse ou alors la dernière action que je viens d'acheter. Alors c'est parti, cette idée reçue, c'est la suivante. Si une action s'échange à un prix très faible, alors c'est probablement une bonne opportunité car le prix de cette action ne peut que monter. D'autant plus s'il s'agit d'une grosse entreprise déjà bien établie depuis des décennies. Au final, une action à 2 euros doit être un meilleur investissement qu'une action à 1000 euros, car le potentiel de croissance de la première est plus important. Voilà l'idée que deux investisseurs débutants m'ont partagée. Évidemment, c'est absolument faux, et dans cette vidéo, on va voir pourquoi. Pour comprendre cela, on va s'intéresser à la manière dont est déterminé le prix d'une action et pourquoi certaines actions s'échangent à quelques centimes, là où d'autres actions s'échangent à plusieurs milliers d'euros ou de dollars. Et finalement, on verra en fin de vidéo quels sont les critères à regarder pour savoir si un investissement en bourse sur le long terme est judicieux ou non. Quels sont les paramètres qu'il faut regarder, quels sont les indicateurs auxquels on va s'intéresser. Lorsqu'une société souhaite lever des fonds pour accélérer ou poursuivre son développement, elle peut avoir recours au marché financier pour cela via une introduction en bourse ou une IPO pour Initial Public Offering en anglais. Pour cela, elle va émettre les fameuses actions, c'est-à-dire des titres de propriété d'une entreprise. Alors auparavant, un titre de propriété, cela se présentait sous la forme d'un document qui stipulait que vous étiez propriétaire d'une infime partie d'une entreprise. Aujourd'hui, évidemment, le processus est entièrement digitalisé, mais l'idée reste la même, à savoir que quand vous achetez une action, vous devenez finalement propriétaire d'une partie de l'entreprise. Et durant ce processus d'introduction en bourse, deux questions étroitement liées se posent alors. La première étant, combien d'actions vont être émises? Et la seconde étant, à quel prix vont être émises ces actions? Et pour répondre à ces questions, durant le processus d'introduction en bourse, la société va engager une banque d'investissement qui va être en charge justement de déterminer ces paramètres. Et en particulier, la banque d'investissement va devoir déterminer quelle est la valeur de l'entreprise, combien vaut l'entreprise sur le marché et combien d'actions vont être émises et donc à quel prix vont être émises ces actions. Et justement, cette phase de détermination de la valeur théorique d'une entreprise lors de son introduction en bourse est une phase absolument clé. Alors comment est-ce que la banque d'investissement va s'y prendre? Eh bien, elle va considérer plusieurs facteurs, notamment elle va essayer d'évaluer la demande qu'il va y avoir pour ces titres de propriété lors de l'introduction en bourse. Elle va aussi regarder les perspectives de croissance de la société et son historique, notamment parmi d'autres facteurs dont évidemment l'analyse de ses différents états financiers, c'est-à-dire de son compte de résultat, de son bilan et de ses flux de trésorerie. Et on comprend alors que durant cette phase-là, trois facteurs absolument dépendants vont apparaître. Le premier, forcément, c'est la valeur théorique de l'entreprise. Le second étant le nombre d'actions qui vont être émises et va en découler forcément le prix unitaire d'une de ces actions. On comprend bien que si la valeur de la société est déterminée, plus il y aura d'actions en circulation, plus il y aura d'actions émises, et bien naturellement, plus le prix unitaire d'une de ces actions sera faible. Prenons l'exemple d'une société dont la valeur est évaluée à 100 millions d'euros. Si cette entreprise décide d'émettre 100 millions d'actions, alors nécessairement le prix d'une action sera de 1 euro puisqu'on a bien les 1 euro x 100 millions d'actions nous donne les 100 millions d'euros de valorisation. Maintenant, si cette entreprise décide d'émettre non plus 100 millions d'actions, mais 100 000 actions, alors dans ce cas-là, le prix d'une action sera de 1000 euros puisqu'on retrouve bien les 1000 euros fois les 100 000 actions nous donne les 100 millions d'euros de valorisation. Maintenant, admettons que vous souhaitiez détenir 1% de la société. Dans les deux cas, si vous souhaitez détenir ces 1%, alors vous devez acheter pour 1 million d'euros d'actions. Dans le cas A, si vous souhaitez détenir ces 1%, vous devrez acheter 1 million d'actions puisque ces 1 million d'actions à 1 euro vous donneront bien ces 1 million d'euros de valorisation. Maintenant, dans le cas B, si vous souhaitez toujours détenir 1% de la société, eh bien, à 1000 euros, vous ne devrez plus acheter 1 million d'actions, mais vous devrez acheter seulement 1000 actions pour détenir ces 1%. Et pour autant, que vous situez dans le cas A ou dans le cas B, vous détenez les mêmes chances de gain sur votre investissement. C'est la même société, vous détenez pour 1 million d'euros d'actions, sauf que dans un cas, vos actions valent 1 euro et dans l'autre cas, vos actions valent 1000 euros. Et donc, que l'action vale 1 euro ou bien 1000 euros, vous n'avez pas plus de chances de faire un bon investissement dans un cas que dans un autre sur le long terme. Et on retiendra en fait que le prix de l'action est simplement la résultante du nombre d'actions qui auront été émises et il ne peut pas servir à estimer la pertinence ou non d'un investissement.
Par ailleurs, le nombre d'actions en circulation au cours de la vie d'une entreprise ne cesse de changer. Les entreprises peuvent par exemple émettre de nouvelles actions ou alors en racheter pour les annuler. Elles peuvent aussi diviser ces actions-là ou alors les multiplier. Par exemple, Apple a récemment réalisé un split, on pourrait appeler ça une multiplication en français. Qu'est-ce que c'est ? C'est une opération qui vise à multiplier le nombre d'actions en circulation par un certain facteur tout en divisant la valeur unitaire d'une de ces actions par ce même facteur. Pour illustrer cet exemple d'Apple, considérons que vous déteniez avant ce fameux split 4 pour 1 une action Apple à un prix de 500$. Ici, Apple a réalisé un split 4 pour 1, c'est-à-dire que pour une action que vous déteniez auparavant, vous en détenez désormais 3 supplémentaires pour un total de 4 actions après ce split. Admettons maintenant que le prix initial d'échange de l'action était de 500$ avant le split, alors la nouvelle valeur de chacune des actions serait de 125$. En revanche, bien que la valeur unitaire de chacune de ces actions ait été diminuée, le montant total de votre investissement reste inchangé. Vous détenez simplement plus d'actions qu'auparavant, mais celles-ci valent moins cher. Bon, très bien, maintenant j'espère que vous l'avez compris, ce n'est pas parce qu'une action coûte 2 000 € que c'est nécessairement un moins bon investissement qu'une action qui coûte 15 € par exemple, sous prétexte que celle-ci aurait un meilleur potentiel de croissance. Non, pas du tout, ce raisonnement ne tient pas du tout. Alors du coup, si le simple prix d'une action ne suffit pas à déterminer si telle ou telle entreprise constitue un bon investissement sur le long terme, qu'est-ce qu'on va considérer comme critère ? Ici, je vous en propose 4 pour un investisseur de long terme en bourse. Et le premier, ça va être la présence d'un avantage compétitif durable au sein de la société dans laquelle on souhaite investir. Donc ça, c'est une notion qui est absolument clé et qui est très chère au célèbre investisseur Warren Buffett. Alors l'avantage compétitif durable, ça va conférer justement à l'investisseur de long terme certains avantages qui sont absolument clés. Et on a différentes manières, différents indices de repérer la présence ou non d'un avantage compétitif durable qui encore une fois va protéger notre investissement sur le long terme et va réduire le risque que nous en tant qu'investisseurs on va prendre sur cet investissement là. Si vous voulez un exemple de ce qu'est un avantage compétitif durable et la manière dont ça peut se retranscrire et la manière dont on peut l'identifier, je vous invite à regarder la dernière vidéo d'analyse que j'ai faite sur cette chaîne sur l'analyse complète de Google. C'est une entreprise qui détient un merveilleux avantage compétitif durable et dans cette dernière vidéo je vous propose notamment mon point de vue sur cette entreprise là. Le second point qu'on va regarder, ça va être les perspectives de croissance de notre entreprise. Évidemment, on va s'intéresser prioritairement aux entreprises qui bénéficient de belles perspectives de croissance dans les années et les décennies à venir, au moins pas de décroissance. En fait, on peut aussi trouver de bonnes opportunités en bourse pour des entreprises qui ont une croissance relativement faible, qui font un chiffre d'affaires et un bénéfice net relativement stable, mais qui s'échangent temporairement à un très très bon prix. De la même manière, si vous voulez savoir comment on peut évaluer les perspectives de croissance d'une entreprise, je vous invite aussi à regarder cette dernière vidéo sur l'analyse complète de Google. Le troisième critère qui va être absolument fondamental, ça va être la bonne santé financière d'une entreprise. On va devoir s'assurer que l'entreprise n'est pas surendettée et que la dette qu'a contractée l'entreprise n'est pas dangereuse pour son activité. Et pour cela, on va devoir faire un petit peu de calcul, mettre un petit peu les mains dedans. Et si vous voulez un exemple de comment on peut rapidement, avec quelques indicateurs, évaluer la dette d'une entreprise, encore une fois, vous pouvez consulter cette vidéo d'analyse sur Google ou alors les dernières vidéos d'analyse sur le secteur oil and gas. Et enfin, dans cette liste des 4 critères essentiels à regarder pour déterminer si une entreprise est un bon investissement en bourse sur le long terme, je citerai la valorisation d'une entreprise. Pour un investisseur de long terme, c'est absolument clé d'acheter son action à un bon prix. Et même la plus belle des sociétés, même la plus belle des actions, ne constituera pas un bon investissement long terme si elle est achetée trop cher. Pour cela, il existe différentes manières d'évaluer la valorisation d'une entreprise et de savoir si globalement l'action s'échange trop cher ou au contraire peu cher et que donc elle constitue une opportunité. Le plus simple pour cela, il existe un indicateur qui est très connu, qui est très facile à utiliser, qui a ses biais, mais au moins qui a le mérite de donner un ordre de grandeur très rapide sur l'état de valorisation de la société. Cet indicateur-là, c'est le PER et j'ai aussi fait une analyse complète sur cet indicateur, donc n'hésitez pas à la consulter pour mieux comprendre la manière dont ce ratio fonctionne. Alors en conclusion, on retiendra que ce n'est pas parce qu'une action s'échange peu cher, peut-être quelques euros ou alors même quelques centimes, que c'est nécessairement un bon investissement et que le prix de cette action ne peut aller que par le haut. Il peut aller bien évidemment par le bas et même l'entreprise peut faire faillite, vous pouvez juste tout perdre en fait. Pour un investisseur de long terme, on s'intéressera plutôt à d'autres critères et j'en ai retenu 4 ici. Le premier, c'est la présence d'un avantage compétitif durable. Le second, c'est s'intéresser aux perspectives de croissance de la société. On va aussi s'intéresser à la santé financière de la société, s'assurer que celle-ci n'a pas trop de dettes et enfin qu'on achète l'action à un bon prix, que l'action n'est pas survalorisée.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je sais que les remarques effectuées dans cette vidéo sont probablement évidentes pour plusieurs d'entre vous, mais pour l'avoir entendu de la bouche de plusieurs débutants en bourse, ça me paraissait important d'aborder le sujet dans au moins une vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de faire un tour dans la description de la vidéo pour vous inscrire à la newsletter et recevoir tous les 15 jours environ un concept clé, un exemple pratique d'analyse ou alors la dernière action que je viens d'acheter. Pour les débutants, vous pouvez aussi télécharger le guide pratique d'investissement en bourse dont le lien se trouve dans la description. Et en attendant la prochaine newsletter, je vous dis bons investissements à tous, prenez soin de vous, ciao!